super hier soir. Regardez. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, look right in my face. I was born standing up. Et voilà en quoi excelle ce patineur. Ça, c'est impressionnant parce qu'il arrive, après 4 tours de rotation, à avoir plus de vitesse qu'au départ de son saut. Et c'est un saut qui lui vaut des bonus au niveau des juges d'au moins 2 points. Même qu'il en a eu plus. C'est expliquant parce que peut-être que nous n'avons pas été assez précis. C'est donc l'entracte, n'est-ce pas? Là, c'est l'entracte pour le gala. Et donc, avec Paul, nous avons décidé de vous remontrer les plus belles images de la compétition hier soir avec donc la catégorie, j'aime pas trop dire catégorie, avec les garçons et ensuite les filles. Et vous allez voir ce qu'ils vont et ce qu'ils sont déjà en train de nous proposer. Javier, double champion du monde ici, un triple axel parfait suivi en combinaison. Et tout est parfait parce que même les pirouettes, il y a le saut au milieu, il y a le nombre de tours. Très important, hein, ça me permet de pouvoir vous dire à quel point dans un programme, tout compte, même le nombre de tours que l'on fait dans les positions des pirouettes. Ici, c'est la série de pas. Et très intéressant, le petit chiffre en haut à gauche, Nelson. Oui. Ce sont les points que cumule le patineur tout au long de son programme. D'ailleurs, il est le C pour le patineur qui patine, c'est-à-dire current skater. Et au-dessus, c'est les points qu'a obtenu le leader, c'est-à-dire celui qui mène la compétition au moment où le patineur patine. En précisant bien qu'il s'agit uniquement du score technique. Absolument. Qui ne tient pas compte de l'appréciation artistique ô combien importante dans laquelle s'expriment nos grands amis, les juges. Et là, déjà 44 points au milieu de la compétition. Et là, un moment très important. Et voilà, un troisième quadruple dans son programme en deuxième partie. Une stratégie parfaite, puisqu'il va même mettre les 10% de bonus. Oui, vous nous expliquez souvent que de mettre les principales difficultés dans la deuxième partie rapporte davantage de points. Tout à fait. Là, il a un petit peu raté. En fait, sa prise d'élan, on voit bien que pendant cette diagonale où il amène un triple axel de façon très judicieuse, eh bien malheureusement, il a raté sa prise d'élan, ce qui lui fait une erreur sur le triple axel. Ça le déstabilise pas tant que ça, hein, parce qu'il enchaîne avec un triple lutz. Et là, aïe aïe aïe, une petite erreur, mais j'essaie de faire oublier mon erreur. Seulement double flip, demi-boucle et le triple salco. Dans ces cas-là, c'est aussi la raison pour laquelle on parle de programme libre. C'est-à-dire que l'on peut faire évoluer son programme, on peut sentir au dernier moment qu'il faut remettre un triple salco après un éventuel échec sur un double saut. Pas totalement. On peut si on ne fait pas plus d'éléments qu'on a le droit d'en faire. Ce qui, de nos jours, implique qu'un patineur doit être tout le long lucide du nombre d'éléments qu'il fait. Car les éléments, on ne peut pas en faire autant que l'on veut. On a 8 blocs de saut, 3 pirouettes et 2 pas différents. Et un patineur arrive dans son exhibition virevoltante à récapituler tout ça? Les très bons, oui. Ouais. Ça veut dire que pendant leur performance, ils sont obligés de s'adapter à la situation donnée de ce qu'ils viennent de faire. Ça veut dire qu'ils doivent être lucides, totalement lucides de ce qu'ils font par rapport à ce qu'ils ont le droit de faire. Ça, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Fernandez qui virevolte sur la glace parisienne. Fernandez qui va évidemment obtenir haut la main sa qualification pour la finale du Grand Prix à Marseille dans 3 semaines. Oui, vous le verrez, ça sera la fête du patinage à Marseille. Oui, c'est le 10 et 11. Décembre, ce que Paul peut peut-être me confirmer, mais je crois que c'est bien ça, le 10 et 11 décembre, et nous serons bien sûr en direct
sur la glace marseillaise. Ça me permet de vous dire à quel point cette compétition est exceptionnelle. Sa règle est un petit peu différente de celle d'un championnat du monde, à savoir qu'à la fin de tous les grands prix, comme celui de France, de Russie, de Chine, du Japon, du Canada ou des États-Unis, les six meilleurs de chaque catégorie participent à une finale. Les six meilleurs, ça veut dire qu'il y aura cette fête du patinage à Marseille, que les six meilleurs du monde, en garçon, en fille, en danse et en couple. Et c'est la raison pour laquelle également le 9, donc la veille, ce sera retransmis sur streaming. Mais ça, nous aurons naturellement l'occasion de vous en reparler. Mais prenez donc rendez-vous pour le week-end du 9 au 11 décembre. Là, c'est la petite erreur. Ouais. La petite erreur qui est vraiment due à cette diagonale, à cette prise où je pense qu'il a manqué de vigilance. À mon avis, c'est un peu enflammé. Ça, par contre, il ne s'est pas enflammé. Quatre tours parfaites, réception avec une légère bascule. Une bascule qui lui fait perdre quelques dixièmes, mais tout de même, c'est un troisième quadruple. Et c'est fantastique. Et ici, triple salco, il a bien fait de le remettre. En plus, il est en deuxième partie. Ça lui permet tout de même d'avoir ce bloc de combinaison de sauts où, bien sûr, il lui manque le tour du flip, mais il a les tours du salco. Il est lucide. Il sait ce qu'il fait, hein, le petit gars. Vous êtes, la quasi-présidente de son fan club. Annick, et nous adorons vous entendre. Le voici à côté de Horser, semble-t-il, sur la droite. C'est un tout petit peu empâté, je ne sais pas. Brian, quand même, était un patineur d'une smaltesse extraordinaire. Mais en tout cas, la